Dans ce film-là, tout est magistral. Les acteurs, la façon de tourner, le cadrage, tout est magistral. Vous êtes en train de me dire qu'il faudrait que je me défigure moi-même pour comprendre ce que vous vivez, c'est ça? On est extrêmement dérangé par le personnage de Christian Bégin. C'est un film à voir, absolument. Ça me fait plus peur que mon fou à l'hôpital, parce que ça se passe ici, chez nous, dans ma maison! Le meilleur acteur de cette génération, pour moi, c'est... Je n'ai pas étonné de le voir dans cette prestation-là aussi fin, nuancé, intense, incroyable. On peut désormais l'appeler Furieux Bégin. Il est étourdissant, il est troublant, il est absolument magnifique. Un autre grand film de Robert Morin, qui me laisse encore tout chaviré. Robert Morin! C'est un sacré directeur photo. Il a signé la direction photo de ce film-là. C'est un sacré cinéaste. Les images sont super belles. Étourdissant, ça donne quand même mal au cœur, mais un bon mal de cœur, un mal de cœur de la ronde. Prenons du début à la fin. Claustrophobant. Du grand cinéma. Je pensais pas vivre une tension intense comme ça jusqu'à la fin. De haute voltige cinématographique. Arrangez-vous pour aller voir ce film-là, parce que c'est extraordinaire. C'est un vrai bon film. Louis, t'es-tu là?